petites bestioles, amis pour la vie, une forêt magnifique, le passage des saisons et un terrier caché qui regorge de surprises comme un grand coffre au trésor. Voici ce qui vous attend avec Terrier de la compagnie jeunesse Les Incomplètes. Au cœur des sous-bois, deux petites créatures parlant un langage inventé passent leur journée à ramasser des champignons, des feuilles, des fruits, mais aussi toutes sortes d'objets étranges qui ne semblent pas appartenir à la forêt. La première est rigolote et gourmande, l'autre est rigoureuse et calcule tout. Quand la journée est finie, elles ramènent leurs trouvailles au creux de leur terrier et rangent scrupuleusement leurs trésors. Et les jours et les saisons passent. Tout va bien jusqu'à ce qu'une grosse dispute sépare nos deux acolytes. L'une d'elles quitte le foyer, mais à la minute où les deux amies sont séparées, elles regrettent et partent à la recherche l'une de l'autre. Il faudra de longues nuits, de la patience et beaucoup d'ingéniosité pour qu'elles se retrouvent enfin. Le spectacle est magnifique, les deux petites créatures sont tellement attachantes. C'est pas toujours évident de jouer des personnages qui ne s'expriment que par des sons et des mouvements, mais les interprètes le font avec brio. Et le décor, il est majestueux. Il emplit toute la scène et recrée très bien l'ambiance de la forêt. C'est une pièce qui vous permettra de parler avec vos élèves des saisons, des thématiques de la forêt, mais aussi de la différence, de la résilience, de la résolution des conflits et de l'amitié dans ce qu'elle a de plus lumineux et de plus joyeux. Terrier, c'est un spectacle coup de cœur que je vous recommande chaudement.